Alors, pour vous dire une chose, moi, c'est la première fois ici sur le campus. J'étais secrétaire parlementaire des langues officielles en 2008. Et j'ai visité plusieurs universités et collèges, mais jamais ici. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi parce que je connais l'histoire de votre université. C'est à cause de l'Université de Saint-Boniface qui était, dans mon temps, le collège secondaire de Saint-Boniface, où moi j'étais en deuxième année. Alors, comme la première classe d'immersion, c'est là où on est allé parce qu'on n'avait pas de collège, on n'avait pas de secondaire. Alors, c'est comme ça que je me suis éduquée sur les défis des Acadiens. Et on a besoin de faire plus, parce que le pays ne reconnaît pas l'histoire et les défis comme il devrait. Parce que le pays est fondé avec les Acadiens. Alors, je suis vraiment contente d'être parmi vous. Et maintenant, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Nous sommes très fiers de ce que vous faites. Et au nom du gouvernement du Canada, je suis ici aujourd'hui pour vous dire qu'on est prêt à accorder 61 680 $ à trois groupes culturels francophones de la région. Le Festival acadien de Claire, sont où? Voilà. L'Association de Moulins-l'Abbé-Sainte-Marie sont là. Et la Maison de la Bouche Rouverte sont là. Merci bien, merci bien. Merci bien de la part de notre gouvernement. Alors, oui, je vais juste toucher sur les investissements un tout petit peu. Avec l'investissement fédéral de 31 360 $ qui sera accordé au 60e Festival acadien de France, qui se tiendra en août prochain, vous allez célébrer 60 ans. C'est incroyable. Pensez que vous avez fait ça 60 ans de suite. Notre festival chez nous, 46 ans. Festival du Voyageur, 46 ans. Alors, bravo, bravo. L'association Le Moulin de la Ville Sainte-Marie recevra pour sa part 16 000 $ répartis sur deux années pour présenter une série de spectacles de musique, d'humour et de théâtre. Et finalement, la Maison de la Bouche Rouverte pourra compter sur une aide de 14 500 $ pour organiser le Festival de la Parole de la Baie Sainte-Marie. Alors, encore une fois, je veux vous remercier d'être présent aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre vos histoires et vos vœux.